Koweït. Il est là-devant, commandant. 14 juin. Être enterré par une tempête de sable après le crash. Et c'est une autre tempête qui l'a déterré. Avez-vous retrouvé un membre de l'équipage? Pas de survivants. Tous les corps sont gravement brûlés, méconnaissables. Merci, capitaine. Commandant? Montez dans cet hélicoptère et essayez d'identifier les corps en récupérant leurs plaques. Allez, grouillez-vous. À vos ordres. Eh, merde. Quelle saloperie. Et dire que c'est nous qui les avons abattus. Erreur de cible, ouais. Sergent, gardez vos réflexions pour vous. Ces accidents arrivent parfois. À la guerre, c'est normal. Sergent-chef Sam Harper. Saloperie. Faut pas avoir peur, c'est seulement une erreur de tir. Twin Rivers, aux États-Unis d'Amérique. Premier juillet.
qu'il y a? Je me suis coupée. Entre. Comment est-ce arrivé? La photo d'oncle Sam est tombée. Le verre s'est cassé et j'ai marché dessus. Oh, fais-moi voir. Oh, je vais chercher un désinfectant et un pansement. T'en fais pas, ce n'est pas grave. Et j'ai fait un rêve. Il y avait oncle Sam. Il était vivant. On était près de lui dans le défilé du 4 juillet. Et tout le monde le saluait. Quand il nous a quittés, tu étais un tout petit garçon. Tu ne te souviens pas vraiment de lui. Je m'en souviens. Il était gentil avec moi. Jody, c'est ce que tu imagines. En fait, personne ne retenait son attention. Tu ne l'aimais pas beaucoup, pas vrai? Au contraire. C'était mon frère. De papa non plus, tu parles pas souvent. Ça, c'est une autre histoire. Écoute, c'est le milieu de la nuit et j'aimerais bien dormir, d'accord? D'accord, je voulais pas t'ennuyer. Mais j'avais peur de perdre tout mon sang. Va te coucher. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon chéri. Tu m'invites pas chez toi, pourquoi? Tu sembles oublier que t'es en service. Personne ne le saura. Tu sais quoi? J'aurai terminé mon travail dans environ une heure. Et je reviendrai. Arrête, tu veux, et occupe-toi de ton travail. On a tout le week-end. Un dernier baiser et je te quitte. Je viens de t'en donner un. Madame Harper? Qui êtes-vous? Je suis désolé de vous avoir fait peur, j'étais là. Je vous attendais dans le jardin. Oui, j'attendais. Que voulez-vous? C'est au sujet de votre mari. Sam? Ça fait plus de 3 ans que... Mon Dieu, est-ce qu'il est vivant? Une unité en patrouille au Koweït a découvert son hélicoptère dans le désert. Ils ont pu identifier le corps avec certitude. Oh, 3 ans à se poser des questions. Eh bien, si vous le désirez, il pourra être enterré au cimetière militaire. Non, il y a une place dans le caveau de famille, c'est là qu'il ira. Je vais rester quelque temps pour organiser les différentes opérations. Je suis logé à ce motel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci. Il a droit à des funérailles avec tous les honneurs militaires. C'était un héros. Je vous remets sa plaque d'identité. Toutes mes condoléances, madame. Le temps finit par tout arranger. Bonne nuit, madame.
Sergent, voici de vraies balles au cas où vous en auriez besoin. Ça. Trop de petits pains au chocolat, trop de beignets, et aussi trop de naphtaline. Sergent Jed Crowley, au rapport, colonel. Vous êtes tous morts. Excepté moi. Connerie de merde, pourquoi je suis le seul à être revenu? Je n'ai jamais rien fait de ma chienne de vie. Rien du tout. Ouais, je suis nul. Continuez, sergent! Accrochez-vous, cette petite fête va devenir grandiose! Il nous faudrait plus que des cartouches pour descendre cet oiseau-là. Terminé, plus qu'une rafale à tirer. Bouillez-vous, les pruneaux volent. Oh. Ah, c'est toi. Tu ne vas pas travailler aujourd'hui? J'ai pris un jour de repos. Tu as l'air fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Jody, tu devrais aller prendre tes affaires. D'accord. Vas-y, dépêche-toi. Dis, as-tu ramassé le verre brisé dans ta chambre? Oui, cette nuit, avant de me recoucher. Bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un de l'armée est venu me voir hier soir, il était tard. Le corps de Sam a été retrouvé. Oh, mon Dieu. Au début, j'ai cru qu'il venait me dire que Sam était toujours vivant. En fait, j'y ai pensé tant de fois, je l'imaginais venir vers la maison, passer la porte et ça recommençait comme avant. Pourquoi n'ont-il pas envoyé un télégramme? Je ne sais pas. Ils font le nécessaire pour que son corps soit rapatrié. Je me demande comment Phil va réagir devant ça. Ne t'inquiète pas, il connaît tes sentiments envers Sam. Je croyais avoir oublié les sentiments qu'il m'inspirait. Quand j'étais avec lui à la maison, c'était l'horreur. Je pourrais peut-être leur demander de ne pas renvoyer le corps. Écoute, si tu ne fais pas les choses dans les règles, tu ne pourras plus arrêter les voisins de parler. Ah oui. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est trop petit chez toi, il n'y a aucune pièce qui conviendra. On mettra le corps ici. Je vais enlever les meubles du salon et je vais donner tous les coups de téléphone qu'il faut. Je vais aussi prévenir les pompes funèbres. Merci. Ce 4 juillet, nous n'oublierons pas de sitôt. Monsieur Crandall? Oui, Jody. Il nous est arrivé quelque chose. Un soldat est venu nous dire que le corps de mon oncle avait été retrouvé au Koweït. Sam? Sam Harper, il est... Je l'ai eu comme élève dans ma classe. Comment il s'est fait tuer? Il était mitrailleur dans un hélicoptère et s'est fait descendre. Mais... Et j'ai entendu plein de choses. C'est peut-être nos soldats qui ont fait ça. Pourquoi ils auraient tiré sur un de nos hélicos, monsieur? Eh bien... C'est ce qu'on appelle une erreur de cible. Vous devez comprendre qu'on peut commettre des erreurs pendant les combats. Cela crée des situations tragiques chaque fois que ces choses arrivent. Mon oncle Sam, il s'est battu à l'île Grenade et aussi au Panama. Il a eu des médailles. Ma tante Louise me les a données. Vous voulez les voir? Oui, bien sûr. Bien. Apporte-les ici, Jody. Montre-les à la classe. Il était sergent-chef dans une unité d'attaque spéciale. Il a été blessé au Panama et on lui a remis cette médaille, le cœur pourpre. Avez-vous déjà été dans l'armée, Monsieur Crandall? Non, je n'ai jamais été dans l'armée.
Et comment ça? J'ai grandi pendant la guerre du Vietnam. Et beaucoup de personnes trouvaient que cette guerre était inutile. Moi, je faisais partie des hommes jeunes qui protestaient contre cette guerre. Et pendant un certain temps, des jeunes gens ont quitté le pays. Des déserteurs. C'était pas facile pour eux de fuir, c'était une épreuve. Il faut essayer de comprendre. Ceux qui se sont enfuis trouvaient que c'était un moindre mal. Car pour eux, il n'était pas question d'obéir à des ordres idiots. Mon oncle Sam disait que vous étiez des lâches. Bon, ça suffit. Va. Va. Va t'asseoir. Moi, je n'en sais rien. J'ai dit que mon oncle le disait. On continue. Sortez vos livres de maths. À la page 84. J'aimerais que vous recopiez les équations qui sont sur le tableau. Quand je serai grand, je vais entrer dans l'armée. Et je vais faire tout ce que oncle Sam a fait. J'obéirai toujours au président des États-Unis. C'est lui qui doit commander. J'aurais voulu les aider à le porter dans la maison. C'était mon oncle. Est-ce que je peux y toucher? Il est scellé. Je voudrais voir oncle Sam. Eh bien, ton oncle a beaucoup souffert, mon petit. Vous savez, j'ai toutes ces médailles. J'aurais voulu les mettre dans le cercueil. Je voudrais qu'il les porte. Tu sais, je crois qu'il est très heureux de savoir que tu les conserves précieusement. Tu as raison d'être fier de lui. Je connais personne d'autre qui a fait des choses aussi importantes. Dans 8 ans, je serai majeur. Alors je pourrai m'engager. Ça passera vite, 8 ans. Heureux d'avoir fait ta connaissance, soldat. Madame, je dois aller jusqu'à Bingham demain, régler les détails pour la garde d'honneur. Je vous remercie. Je suis touchée par votre gentillesse, sergent. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me joindre. Oui, en effet, merci. Judy, ne touche pas au cercueil. Tu crois peut-être que c'est un jouet? Pour moi, c'est pas un jouet. Oui, sa femme fréquente un petit shérif local. Donc, j'ai l'intention de prendre du bon temps avant de partir d'ici. Je vais dire autre chose. La sœur et la femme, elles l'ont fait. Ah ouais. Je me suis bien placé auprès des deux femmes. Je vais leur faire oublier leur deuil.
c'est pour ça que je me suis porté volontaire. Il faut savoir s'imposer au bon moment, non? D'accord, on en reparlera plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien. C'est gentil, merci. C'est une bonne idée. J'aurais été content de t'emmener dîner dehors. Oh, je ne voulais pas laisser Jody seule à la maison, avec un cercueil dans le salon. Mais ça l'aurait peut-être effrayée. Tiens. Non, ça ne l'effraie pas du tout. C'est bien ce qui m'ennuie. Il tourne autour du cercueil sans arrêt. Tu ne dis jamais rien à propos de ton frère. Eh bien, on n'était pas très proches. Il a quitté la maison quand il avait 14 ans, et quand il est revenu, il était alcoolique. On a eu plein de problèmes. Jody ? On va dîner, descends ! J'ai pas faim. Je veux que tu descendes tout de suite. Je crois que tu en as besoin. Tu es gentil. Ah. Ralph dîne ici. Je suis contente de te revoir. Tu veux bien le couper? Je peux préparer une assiette et la monter là-haut? Non, tu ne peux pas. Assieds-toi. Tu dînes ici. Ce soir, nous célébrons ma victoire. Nous avons battu le gouvernement à l'audition devant le juge. C'est bien. Oui, le juge a admis tous les avantages fiscaux auxquels nous prétendions. Nous aurions eu de gros ennuis si le fisc avait pu aller au fond des choses, mais ils ont envoyé deux jeunes agents qui se sont trouvés submergés. Ils n'ont pas eu le temps de voir tous les documents importants. Nous les avions camouflés sous des tonnes de paperasse. Tu veux dire que tu les as trompés, Jody? C'est que je suis plus malin que ces contrôleurs, c'est tout. Jody, c'est le travail de Ralph et il y excelle. Tu sais, Jody, moins on paye d'impôts, mieux on se porte. Et si on ne prend pas de mesures, on en arrive à payer 50% de ce qu'on gagne. Alors on a trouvé des moyens légaux pour contourner la loi. J'ai fini. Non, t'as rien mangé. Ouais. Ça te dirait de venir avec moi sur mon char pour le défilé du 4 juillet jeudi prochain? Je serai déguisé en Abraham Lincoln. Je suis le grand Abraham depuis 5 ans. Et j'ai même acheté le costume pour ne pas avoir à le louer tous les ans. Qu'est-ce que tu en dis? Non, merci. Je peux plus rien avaler. Je voudrais monter. D'accord. N'oublie pas d'éteindre la télé à 21h. Je ne peux pas allumer la télé. Je suis en deuil. Voilà. Tu sais... Je crois... que peut-être... il aurait plus de respect envers moi si tu montrais pour moi plus d'affection. Ah, ce n'est pas le moment, je t'en prie. Il y a un mort dans le salon. Voilà, Ralph. T'es mort.
C'est pas drôle d'être mort, on se retrouve tout seul. Oh, monsieur Crowley, je vous remercie d'être venu. C'est naturel. Voulez-vous boire quelque chose, Jed? Oh non, c'est gentil. Sam vous estimait beaucoup. Il adorait vous entendre raconter la guerre. Donc, je crois que vous devrez faire beaucoup d'efforts pour me pardonner. Jody, ce n'est pas joli de dévisager les gens. Oh, ça ne m'ennuie pas du tout. Ce n'est pas grave, il est juste curieux. J'imagine que tu aimerais la voir. Oui. Alors viens. Et comment elle fait pour tenir? Elle est attachée à ma cuisse, en fait. Je dois seulement m'inquiéter des termites. Et tu te fiches de moi? Non, c'est sérieux. Tu sais quoi? Tape dessus si tu veux. Ça fait pas mal. Vas-y. On a dit qu'une explosion l'a arraché? Mine antipersonnelle. Qu'est-ce qu'on t'a dit d'autre? Rien. Si, si, si. Mais ce n'est pas vrai. Sinon, comment je serais devenu père? Ou grand-père? Non. Tout le reste a repris sa place sans histoire. J'ai déjà vu un film. C'était un homme qui se réveillait à l'hôpital. Et il sentait toujours sa jambe, mais il n'en avait plus. Oui, c'est comme... comme on dit, une jambe fantôme. Elle n'est plus là, mais... je te jure que parfois je sens très fort mes orteils se contracter. Souvent, c'est la nuit, alors je me dépêche d'allumer, voir si mes orteils sont de retour. Et tu enlèves ta jambe la nuit? Oui, je l'enlève et je la pousse sous le lit. Je me souviens un jour, ma pauvre femme était très fâchée contre moi. Elle l'a cachée pendant 2 jours. Là, je me suis tenu à carreau. Je dois dire que ça m'a appris à être sage. Tu sais, elle a dû refuser des tas de types avec les deux jambes pour m'épouser. Que Dieu la garde. Est-ce que je devrais m'engager dans la marine, l'armée de terre ou bien l'armée de l'air? Tu vas t'enlever cette idée-là de la tête, mon gars. Les choses ne sont plus comme elles étaient. Avant, on savait contre qui et contre quoi on se battait. Hitler, toujours, et Mussolini. Nous savions ce que nous avions à faire et pourquoi. Aujourd'hui, les cartes sont truquées. Et personne ne sait pourquoi on se bat ni pourquoi on crève. Un garçon aussi intelligent que toi devrait comprendre qu'il faut rester en dehors de tout ça. Médecin, c'est mieux. Pense à sauver des vies, c'est mieux que d'avoir envie de tuer. Il faut des médecins, mais aussi des soldats. Tu ne veux pas qu'on te ramène en boîte? Mais on finit tous dans une boîte. On va tous mourir, quoi qu'on fasse. C'est inutile, je crois que tu ne veux pas écouter. Tu avais essayé de convaincre oncle Sam aussi? Non, malheureusement. Je lui racontais l'épopée glorieuse de jadis. Je lui disais comment nous étions remontés de la plage et avions pris d'assaut les bunkers coréens, comment mon sergent était mort et comment j'avais reçu une promotion sur le champ de bataille pour commander l'escouade. J'ai pas dû lui dire que sur les 9 hommes, le seul survivant, c'était moi et que tous les autres n'étaient jamais revenus au pays. En fait, Sam était très différent de toi. Il avait la haine au ventre. Il fallait qu'il s'en débarrasse. Et je me souviens, je l'avais emmené chasser un jour. Il m'a fait très peur. Tuer, ça l'excitait.
Je crois que c'est comme ça qu'on devient un héros. Je vais te raconter quelque chose. Il n'y a pas de héros. Il n'y a que des hommes qui deviennent fous pendant une bataille. Tous ceux qui sont sains d'esprit baissent la tête et essayent de rester vivants. Mais il y en a toujours un qui perd la raison. Il court à découvert, sans savoir ce qu'il fait. Hagard, fou furieux. Et si par une sorte de miraculeuse action, il s'en sort, on épingle un ruban sur lui. On le renvoie chez lui. Et on lui dit de ne plus jamais perdre la boule, sinon gare. Et c'est ça que tu veux être, un héros. Salut ta mère pour moi. C'est scandaleux. Mais on a fait cette guerre pour le pétrole. C'est ça toute la vérité. On s'est battu pour que les riches arabes restent riches. Et nos jeunes soldats sont morts pour rien. Pourquoi tu ne la fermes pas ? Jody, tu viens de dépasser les bornes. Tu es puni pendant tout le week-end. Tu entends ? Pas de défilé demain, pas de pique-nique, rien du tout. Tu as compris ? Oui. De toute façon, je voulais pas y aller. Très bien, mais maintenant monte dans ta chambre. Il faut clouer le bec à tous ceux qui dénigrent notre pays. N'oublie jamais de le faire. Ne permets à personne de manquer le respect envers l'Amérique. Si quelqu'un le fait, botte-lui derrière. Reste sur tes gardes, soldat. Ton oncle Sam. Sans s'abriquer. Ouais, approche-toi. Voilà. Et voilà. Attends, attends, il y en a encore. On va bien l'allumer. Et tout ça, ça va brûler. Ouais. Ouais. Allez, vas-y, 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 allume-le. Ah. Ouais, ouais. Attention, attention. Hé, hey, allez, allez. À mort, les fachos. À mort. Ouais. Youhou.
Arrêtez de me suivre! Ce costume demain pendant le défilé. Et maintenant, il est tout taché. Oh, merde. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'espère que tu m'as bien regardé. Allez, vas-y, fais-nous voir ce que tu vaux. Allez! Mais je parie ce que tu veux que je vais te battre, moi. Allez, sors de là! Allez, tiens! Ouais, c'est... Oh non! Panier, ouais, dans le trou! Allez, on se tire. Ouais, c'est ça, allez-y. Je vous rattrape dans une seconde. Je sais pas, mais peut-être qu'on devrait aller le chercher. Non, non, je rentre avant que mon père dessoule et qu'il s'aperçoive que je suis pas là. D'accord. Vas-y, moi, je retourne au cimetière. Ouais. Ah.
trottoir, arrête tes conneries. Allez, viens, on rentre. Hey Eric, t'es toujours là? En place tout le monde. Et souvenez-vous, je ne veux voir personne saluer des amis ou la famille. Jusqu'à la fin, vous jouez votre personnage. Et Taylor, tu n'oublies pas, tu es le jeune Washington et Jeff, tu es son père. Taylor, pose ce soda, je veux que tu fasses ce rôle avec application. D'accord, la hachette, où est la hachette? Tu ne l'as pas? Bien, où est passée la hachette? J'en ai plus cassé de cette histoire. On l'a peut-être rapportée dans la classe, je peux aller voir. Non, Taylor, tu restes là où tu es. Je vais y aller. Hey, qu'est-ce qu'on attend? On n'aura pas notre place dans le défilé. Monsieur Crendall, il est parti chercher la hache. N'avait pas le droit de leur tirer. Je te dis que je veux pas y aller. Eh bien, c'est justement pour ça que nous y allons. Il faut qu'ils voient ce qu'ils t'ont fait, ces salauds. Madge, si Barry ne se sent pas à l'aise, peut-être... Ça, c'est bien toi. Tu recules tout le temps. C'était un groupe d'enfants, on n'allait pas les mettre en prison. Ils seront tous à la fête aujourd'hui. Et leurs parents aussi. Je les vois d'ici s'amuser et rire aux éclats. Oui, ha, ha, ha. Eh bien, ils s'amuseront moins quand ils nous verront. Pas y croire, les chroniens sont ici. Voyez ce qui arrive quand on joue avec des pétards. Ne regarde pas. Bonjour, monsieur et madame Cronin. Je peux parler à Barry deux secondes? C'est Jody, c'est ton copain. Oui, c'est moi. C'est chouette que tu sois venu. Je devrais pas être ici, mais dans ma chambre, ma mère m'a puni. Si tu veux, je viendrai te voir. On pourrait jouer ou discuter.
Allez, Barry, je sais que tu m'entends. Je vais venir chez toi et on pourra s'amuser tous les deux. Comme quoi? On écoutera des CD ou je lirai pour toi. J'ai toute une collection sur la guerre en BD. Ce n'est pas une très bonne idée, Jody. Il est en convalescence, il récupère encore. Ah, notre fils a besoin d'avoir près de lui quelqu'un d'autre que nous. Il lui faut des copains. Ses copains? C'est leur faute, ce qui est arrivé. Et j'étais pas là quand c'est arrivé, je vous jure, Madame Cronin. Souhaitez la bienvenue à notre célébration du 4 juillet. Mais avant de vous présenter Alvin Cummings, membre du Congrès et les musiciens, nous allons entendre l'hymne national qui sera chanté par Jesse Colbert. Jesse, viens, tu peux commencer. Merci. Eh bien, Harry et Clay. C'est pour vous, les gars. Mademoiselle Basham. Mes amis, si nous le chantions nous-mêmes, je crois que ce serait mieux. Vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming whose broad stripes and bright stars through the pale for the red... Je suis venu pour faire ce que tu veux que je fasse. Que voulez-vous dire? J'interviendrai et ils ressentiront tous ta douleur. Comment vous vous appelez? Même dans l'obscurité, tu me vois mieux que ceux qui n'ont pas perdu la vue. Tu me connais. Voilà. Quelqu'un m'a touché. Ah oui, celui qui t'a tenu compagnie? Oui, il a touché mon visage pendant quelques secondes. Ensuite, il est parti. Eh bien, c'était Oncle Sam. Qui se cache dans ce costume d'Oncle Sam? J'en sais rien, mais celui qui a été choisi fait du bon boulot. Désolé, Alvin. Regarde. Lunettes? Ou sans lunettes? Sans lunettes. Très bien. Dis, on n'a rien de mieux à faire que de passer la journée à parler avec ces paysans. Alvin, tu as besoin de tous les votes que tu peux décrocher pour ne pas être révoqué. Tu disais que la foule serait amicale. Ouais. J'ai étonné que ce minable escroc ait le culot de se montrer ici. Pourquoi? On n'est pas tous des héros de la guerre? N'exagère pas un peu, la situation n'est pas aussi difficile. Quand tu étais au Congrès, tu avais 14 employés fictifs payés par le gouvernement. Eh bien, tu... Bonjour. Comment allez-vous? Tu trouveras bien le moyen de minimiser cette affaire. Oui. Aujourd'hui, le problème, c'est de te faire écouter par ces gens. Et qu'ils soient d'accord. J'imagine que ça vous a bien amusé quand ce jeune abruti Jesse est monté sur scène pour
se moquer de l'hymne national. C'est votre genre d'humour. Et cette chanson est moche. Il n'y a personne qui se rappelle les paroles. Et si tu veux, on parie 20 billets que tu ne peux pas réciter les paroles sans faire une seule erreur. Tu vois, il n'y a rien à faire. Personne ne les connaît. Francis Scott Key. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Rien du tout. Il n'y a aucun autre tube. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. T'attirer des ennuis ou quoi? Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que tu crois que je dois faire, à ton âge? Qui t'a donné cette dope? Je l'ai trouvée. Fais-moi voir ce que t'as. Montre-moi tes poches. Écoute, je veux que tu retournes là-bas avec ta mère. Tu t'occupes de la viande, tu donnes un coup de main, tu te rends utile. Et pour cette fois, je ne dirai rien. Tu m'entends? Oui. Parfait. Le coup près où il est. Bravo, Marc! Allez, partez! Tu m'as dit où est la route? Merci, Rudy. Qu'est-ce que tu veux? Yes, yes.
Laissez-vous tenter par le jeu. Bravo, vous avez gagné. Venez, monsieur, venez, essayez avec celle-ci. Allez-y, tentez votre chance. Ne me mets pas ton bras sur l'épaule. Désolé. Je trouve que c'est naturel de faire ça. Vous recommencez, ça ira mieux. De toute façon, allez, tout le monde sait que nous nous voyons. Venez tenter votre chance. Non, les gens, je m'en fiche, c'est pas ça. Alors, c'est quoi ? J'en sais rien. À vous, mademoiselle. Je t'en prie, Louise, personne ne nous observe. Bravo, vous avez gagné. Voyez. J'ai une glace à l'eau. Salut. Cerise. $1, s'il vous plaît. C'est à cause de Sam. Il y a longtemps qu'il est mort, mais tu as toujours peur. Oui. C'est étrange, je sais, mais c'est ce qui m'a attiré vers lui au lycée. Oui. Personne ne l'embêtait, lui. C'est parce que nous savions tous qu'il était violent. Est-ce que vous croyez, faut pas vous prendre au sérieux, voyons. Hey, calmez-vous. Après tout, on fait tous sa BA pour les bonnes œuvres. Ralph, tu vas rester là longtemps ? Allez, viens. Ou est-ce qu'il faut vraiment que je passe la journée toute seule? Si tu crois m'impressionner avec ton silence, tu te trompes. Oh, oh mon Dieu! La musique était si forte, je n'ai même pas entendu le coup de feu. Je me demande qui pouvait lui en vouloir. Il ne faisait de mal à personne. Moi, je comprends. C'était un escroc. Oh, Jody, je t'en prie, tais-toi. Tu es puni, tu ne devrais même pas être ici. Ah, oh, c'est pas vrai. En fait, dans ce pays, aucun endroit n'est sûr. Ah, monsieur le maire, allons-nous pouvoir suivre le programme de cet après-midi ou... Je vois pas pourquoi on en changerait. Les gens préparent cette petite fête toute l'année. Alors... Monsieur le maire. Allez, venez. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. On escorte loin d'ici. Je voudrais que tu retardes ton speech de quelques heures. J'ai envie de m'en aller. Non, donne une chance à la télévision et aux journalistes d'arriver jusqu'ici. Il ne s'agit plus d'un gentil pique-nique campagnard. C'est devenu de l'info nationale et c'est une opportunité de parler de sécurité. D'accord, on fait comme ça. Avec ou sans lunettes? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, circulez. Allez. Celui qui a tué Ralph s'en est tiré sans ennui. Ils ne le prendront jamais. Jody, garde tes opinions pour toi, d'accord? Je sais. Et je suis toujours punie. Alors je vais rentrer. Si Sam était ici, jamais ça serait arrivé. Lui, au moins, il aurait réussi à attraper le meurtrier. Ton oncle n'était pas un super-héros. Et la vie n'est pas une bébé. C'est faux, il est un héros. Pourquoi, toi, t'es pas fière de lui? Parce qu'il nous a fait beaucoup de mal à toutes les deux. Comme quoi? Tu dois le lui dire. Il est trop jeune, il ne comprendrait pas. Tu ne veux pas le savoir tant que tu ne m'as rien dit. Non, je ne veux pas en discuter ce soir. Parce que c'est un mensonge. Si tu veux, c'est moi qui lui parle. Il finira par l'apprendre. Louise, tu es fatiguée, tu ne te rends pas compte. Je me rends compte. Si nous n'agissons pas, il va devenir comme son oncle Sam. Moi, plus tard, je vais être comme lui. Tu vois? Je dis, ton oncle Sam aimait que tout le monde ait peur de lui. Et surtout moi. Il me frappait si fort que je craignais qu'il finisse un jour par me tuer. C'est un mensonge, je le sais. Pourquoi est-ce que je mentirais? Pourquoi je voudrais salir son souvenir? Je sais pas, moi. Jody, elle te dit la vérité. Je sais que ce que je vais dire est très laid. Mais j'étais folle de bonheur le jour où il s'est marié et qu'il a enfin quitté la maison. Parce qu'il allait trouver une autre victime et m'oublier. Louise, pardonne-moi. J'aurais pu prévenir Louise. J'aurais pu lui dire tout le mal qu'il me faisait endurer depuis que j'avais 6 ans. Mais je n'ai rien dit. Et toutes ces choses que je ne pouvais pas dire à mes parents...
J'aurais dû les lui dire à elle. Je savais que c'était mal, mais il me tenait en son pouvoir et je n'arrivais pas à lutter. Ça suffit. Tu en as assez dit. Ce sont toutes ces années de détresse qui m'ont empêchée d'être heureuse avec ton père. Tu vois, chérie, j'avais perdu toute confiance. Judy, tu comprends ce qu'elle veut te dire? Maman, je suis désolée que tu aies souffert. Viens près de moi, mon chéri. Ce qui est arrivé dans le passé est fini. Mais ce que je regrette, c'est que tu sois fascinée par lui depuis que tu es petit. Oui, il pouvait se battre mieux que tout le monde. Oui. Même dans notre maison, il faisait la guerre. Il nous a gâché la vie, car nous étions toujours les vaincus. Pourquoi t'as pris mes médailles? Tes médailles? J'ignore de quoi tu parles. Et tu sais bien les médailles d'oncle Sam. Celle que je gardais sous mon lit. Jody, pourquoi tu ne vas pas dehors? Il faut que je parle à ces dames. Ils ont trouvé un deuxième corps. Celui-ci a la tête tranchée. C'est vrai, nous avons eu une tragédie, mais des dispositions ont été prises. Nous n'avons pas aménagé. Il y a quelqu'un qui a été tué. Cette journée. Nous avons de la Alors, qu'est-ce que tu dis? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont été tués. Désolé, tu restais trop longtemps. Puis nous pourrons admirer notre feu d'artifice. Il n'y a donc aucune raison pour que vous quittiez la fête, et vous ne voudriez surtout pas décevoir les enfants, pas vrai? Maintenant, mesdames et messieurs, Alvin Cummings va remettre le prix d'excellence au meilleur chef de Twin Rivers. Alors, monsieur Cummings, pourriez-vous venir? Monsieur le maire. Alvin a été à la voiture relire son discours, maintenant le chauffeur ne le trouve plus. Nous devons continuer notre programme. Oui, je comprends. Voilà, je voudrais remercier la chambre de commerce pour ce feu d'artifice. Ainsi que les pompiers de Twin Rivers qui l'ont préparé avec soin afin que ne se répète pas la tragédie accidentelle de l'année dernière. Maintenant, tournons les yeux vers la tour où se déroulera le feu d'artifice en toute sécurité. Que le spectacle commence! Dans la voiture et je reviens. Vous inquiétez pas, je m'occupe de Barry. Oh, je te remercie. Et comment on enlève les freins? Il y a une sécurité sur les côtés. Prends tout ton temps. Il nous touchera pas. Qui? Il est venu me voir. Il voulait me parler. Ah, tu penses à ce grand type avec le costume d'oncle Sam? Il sait qu'on est amis tous les deux.
Alors il me connaît? Est-ce qu'il t'a dit son nom? C'était inutile, je l'ai reconnu. C'était ton oncle. Sam Harper. Mon oncle Sam, t'es malade, il est mort. Je sais qu'il est mort. Qu'est-ce que vous faites encore ici, tous les deux? Fichons le camp! On doit aller prévenir les flics! On connaît le coupable! Ah oui, vraiment! La police va s'en occuper sans vous! Je suis sérieux, on le connaît! D'accord, d'accord. Voyons voir si votre histoire est cohérente. C'est le type avec le costume d'oncle Sam. T'as bien fait de pas t'approcher de lui. Il t'aurait tué aussi. Et c'est qui, ce type? Jet, tu ne vas pas me croire. C'est mon oncle, Sam Harper. Oh oui, bien sûr, il s'est levé, il est sorti de son cercueil. Et quelque chose comme ça. Avec ce genre de merde, moi je ferme. Je suis trop vieux. Et c'est toi qui m'as dit que tu sentais toujours ta jambe, c'est vrai. Tu m'as dit aussi que tu ne l'avais plus depuis 40 ans. Toi, tu n'oublies rien. Quand j'ai bousculé le type avec le costume à rayures, j'ai senti la peur m'envahir. Je l'avais plus ressenti depuis la tranchée où je m'étais retrouvé, entouré par les cadavres de mes compagnons. Il faisait froid, au point où tous les corps ont gelé. Tout ce que je pouvais faire pour me réchauffer, c'était de les empiler sur moi. Ces souvenirs me sont revenus en mémoire quand j'ai vu le regard inhumain de cet homme. Il faut le dire à quelqu'un? Et tu l'as déjà dit. À moi. On va où? Jeter un coup d'œil au cercueil. Ah, tu y crois maintenant, fantôme? Je croyais que les fantômes ne sortaient que la nuit, pas en plein jour à la fête du 4 juillet. J'emmène ma femme aux urgences. Allez-y, et moi je ramène votre fils à la maison. Oh, merci, c'est très sympa. Tu fais ce que te dit Jed, hein, tu entends? J'ai pas réussi à l'ouvrir. Prends ça. C'est le sergent. Seigneur. Tu dois me croire maintenant. Oui, je te crois. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on se tire d'ici en vitesse. On va où maintenant? Ne dis rien. Que faisiez-vous dans la maison? Nous sommes venus présenter nos respects. Oui. Je sais où j'irais si j'étais lui. Où ça? Là où je pourrais récupérer ma femme. De quelle femme parle-t-il au juste? C'est pas le moment de poser des questions. Appelez la police. Louise a besoin d'être protégée. Je vais aller chez elle. Non, je vous en prie. Promettez-moi de rester ici car vous ne pouvez rien faire pour elle. Prenez soin des enfants. Je reviens le plus tôt possible. Jed, je voudrais comprendre de quoi vous parlez. Protégez les garçons. Tous les deux, vous ne bougez pas de là. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que vous faites ici? On veut venir, nous aussi. Rentrez à la maison, je n'ai pas besoin de vous. Si tu m'emmènes avec toi, Sam fera de mal à personne. Ah oui, vraiment? Il a raison. Sam croit qu'on est de son côté. Allez chez vous tout de suite. Je n'ai pas besoin de vous. Posez ce couteau. On est venu vous aider. Où est votre téléphone? Il faut téléphoner à la police.
dans la cuisine. Tenez, n'hésitez surtout pas à vous en servir en cas de danger. T'inquiète pas, Jed, c'est un soldat. Un vrai soldat. Mon téléphone. Allez, vas-y, regarde-moi bien, soldat. C'est toi qui m'as fait ce que je suis. Tu n'es jamais battu pour la nation. Tu as tué parce que tu aimais tuer. Tu n'es rien. Tu dois t'en aller. Oh, Judy. Ma pauvre femme éplorée. Est-ce que tu m'aimes? Toujours. Ça ne lui fait rien. C'est inutile. Le salaud, il ne veut pas mourir. Et Jed, elle va chercher le canon. Oh. Louise, il faut sortir d'ici. Il faut sortir tout de suite. Jody, attends-moi. Je suis revenu pour toi. C'est toi la seule raison de mon retour. Je voulais devenir comme toi. Il faut d'abord que tu sois mort. Comme moi. Es-tu volontaire? Tu étais mon héros. Et voilà que tu tues des gens d'ici. Des Américains? Ce sont ces gens-là qui m'ont laissé crever dans le désert. Maintenant, ils ont affaire à moi. Oui, ton oncle Sam. Et tu entends? Il faut nous montrer devant eux. Qu'ils voient que j'ai pas peur. Jed, ils vont sortir. Tirez, Jody est là. T'inquiète, il va partir. Je veux rester avec Sam. Et il va me ramener avec lui. Est-ce que ce petit est devenu cinglé? Allume la mèche. Est-ce que vous nous voyez? Rien ne pourra nous séparer. C'est mon oncle. Ha 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 ha
Ouais. Ouh. Je suis à Marines, aux frontières du Koweït. Je suis le matelot qui mourra peut-être. Je suis un soldat entre les mains de l'Éternel. Je suis le pilote qui meurt dans l'enfer du ciel. Né aux États-Unis, 20 ans après, un hélicoptère m'emmène vers une tempête dans le désert. Je suis jeune, j'ai peur, mais je suis quand même fier. Le droit est de mon côté. Aujourd'hui ou hier. Grand-père a combattu dans la Seconde Guerre mondiale. Et je défends toujours le même idéal. Tout le pétrole du Koweït ne vaut pas une goutte de sang. Et pourtant, je suis là pour tirer sur des gens. Seigneur, je ne sais pas si je vais gagner. Mais je crois que la liberté n'est pas un péché. Les soldats irakiens attendent Pantois. Des deux côtés, les cris des guerriers fusent. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je suis un Marines, aux frontières du Koweït. Je suis le matelot qui mourra peut-être. Je suis le soldat entre les mains de l'Éternel. Je suis le pilote qui meurt dans l'enfer du ciel.